Pourquoi chercher de l'or? Continue. Non, 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 continue. Allons-en. Viens, 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 viens. Ah ouais, ouh, elle est complète la carte. Ok, repérage. Repérage, repérage. Tout ce quartier-là avant. Tout le côté ouest avant, déjà. Et d'abord, repos. Putain, l'embuscade. Ok, donc tout ce côté-là en premier. Ici, on contourne le bâtiment. On fait ce côté. Ensuite, on essaye de longer ici. Faire tout le tour de la maison, on redescend, on finit, on va par là. Ça me paraît être un excellent plan, non? Ça me paraît être un excellent plan. Et bien sûr, on fouille les maisons. Ah, on n'est pas fou. C'est quoi ça? 5. Hop! Nom de Dieu de ta race. Discrétion, discrétion. Une maison, très bien. Un meuble qui n'a pas été verrouillé. Une porte. Une porte, il y a un citoyen du quartier, donc très bien. Je vais donc désactiver la fuite et lui parler. Bonjour monsieur. Alors, quel est vos dégâts des bandits de bon. Alors, bla bla bla. Ok. Oui. Dans l'état où je l'ai trouvé. Tac. Ok. Il est là. Je la joue à la surprise. Il va dans la direction où je vais. Putain, je vais me faire repérer par lui. Et bam! Dead! Et bam, qu'est-ce que tu vas faire? Putain, mais ils ont des. Oh là là! Attendez. Une pièce de contrebande, sa monnaie? Ah, ok! Voilà qui peut être intéressant. Une nouvelle monnaie. Je pense temporaire. Dans cette zone, un coffre. Coffre. Petit coffre, a priori, 4 pièces d'or. Bien. Là, il n'y a rien. Une brute, je vais essayer de la voir. Elle furtivité, elle est toute seule. Putain, non. Il y a des petits mecs, c'est des agresseurs. Un critique à 15 dans tes dents. Allez, vas-y, mange! Bouffe, comment? Mais c'est des nains! Mais c'est des nains! Mais c'est totalement des nains! Des nains voleurs! On n'a jamais vu ça! Avec ces pièces de contrebande, peut-être que si je trouve tout le monde, et eh ben, je pourrais m'acheter des trucs assez intéressants. Une barrique. De l'or. Un livre. Le fantôme des corneilles. Je vous laisse lire en mettant la pause. Peut-être qu'un jour je ferai une session lecture. Et ça m'étonnerait. C'était sans doute une belle histoire. Vous me la direz. Parce que j'ai pas envie de lire. Tiens, puis je le pose là, les livres, voilà. Là, il y a un coffre. À déverrouiller. Putain. Des escaliers, tu connais? Personnage en mousse. Non mais.
Tout ça pour ça, putain, c'est triste. C'est triste, mesdames et messieurs. Putain, un voleur qui dévore un coffre pour un putain d'anneau en cuir. Vrai. Un anneau en cuir. Ouh, concept. Bien. C'est là d'où je viens. Alors, je continue. À l'assaut! Personne à droite, enfin, personne à gauche, personne. Merde, ok. On va devoir utiliser des strats. Je suis caché. Non, je suis plus caché. J'essaie quand même d'en amener le moins possible. C'est vrai que j'ai une superbe épée à deux mains qui met du 10 maintenant. Comment ça a blessé? Qu'est-ce que c'est que cette fumisterie? Quand je vous disais que j'allais utiliser une potion. Mais BAM 6. Putain, c'est énorme. Mais ouais, mais bien sûr. Mais tiens, mais prends 9. Tu as mis 1 avec un cure-dent. Un critique carbone. Eh, hey, je mets plus souvent de critiques. J'ai remarqué que je mets masse de critiques depuis le début de cette session. C'est pas mal. Merci pour ta pièce. Et toi, tu lootes aussi. J'en veux pas. Je récupère quand même et je les foutrai au feu. Enfin, je les mettrai quelque part. Bon. Restons furtifs. Le coin droit doit être cleané en premier. Une brute. Non. Putain, ça aimait. 31 en critique. Enfin, en furtif plutôt. Là-haut. Il n'y a rien. Pour l'instant, tout va bien, c'est plutôt un bon repérage là. Voilà, bon, lui il résiste un peu. Mais à part ça, ça va. Mais voilà, cette facilité dans ce la facilité de ce combat me surprend. Il drop rien, ok. Là, il y a une maison. Je vais y aller. Tac, furtivité, la save, et on les go. J'ai pas regardé le plan, voir si c'était une maison intéressante. Ok, une maison. Ah, citoyen. Bon, il ne peut être que bon. Bonjour. D'ailleurs. Ah. Oh. Oh, bien, au revoir. Oh, votre maison telle quelle. Ouh, t'es beau, toi. Ouh, t'es beau. Oui, tes enfants, c'est bon. Y a-t-il beaucoup de gardes? Ouais, je dis question, t'as vu? Au revoir. Oui, mais. Eh, hey, oh. Oh, je vole des trucs, ok, certes, mais voilà. Tiens, tu vois ta caisse, et bah ben, je te la pille. Voilà, je te pille une pièce d'or. Sur le dessin, il y en a plein. Mais là, il y en a une. J'étais gentil. Alors, oh. Tiens, tu sais quoi, je me repose devant ta maison. Flex. Attends, regarde-moi ce perso trop badass. S'il y en a qui veulent faire un petit screenshot. Ou un artwork, allez-y. Faites ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Il est beau, il est grand, il est musculeux, c'est Yann Black. Il est surtout grand et musculeux. Bien. Oui, je disais. Ce couloir. Enfin, cette rue, du moins. Rien en haut, rien sur le côté. 1, 2, 3, 4, 4 et demi. Facile. 5 peut-être? 5, allez. Allez, vas-y. Non, toi en premier. Ensuite, il faudra courir.
pour aller prendre la butte. La butte. Oui, la butte! Tout à fait. Voilà, on va utiliser une potion dans pas longtemps. Dès qu'il est mort. Hop, la potion qui s'accompagne ensuite d'un aller direct pour celui-ci. Avec une attaque d'opportunité, trop bien. Un décès qui arrive comme ça. Voilà. Et un critique qui pop de n'importe où. C'était un combat facile. Mais c'était un combat tellement facile. Ils ont tous lâché un drop. Une petite pièce de contrebande. Et des carreaux empoisonnés que je revendrai évidemment. Non, t'es sur le loot. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? L'endroit est sécurisé. Ok, cette rue est sécurisée. Je vais reprendre une potion quand même. Ce qui va me permettre de faire juste un poil de place comme ceci. Voilà. Ça me fait un tout petit peu de place. C'est toujours ça de prix. Ensuite, le chemin qui se trouve à ma gauche, donc au nord. Furtivité des caisses. Ok, je prends les caisses. Je vois un ennemi au loin. Outil de cambrioleur plus 3. Génial. 8 pièces d'or. Bah, viens. Ok. Un autre. Un corps. Ou un corps. Ah, si seulement je pouvais le brûler. 1, 2. Trois ennemis, peut-être un quatrième au fond, ouais. Un quatrième au fond, ok. Un 20, 20, non. D'abord, la brute qui attaque à distance. Ouais, je m'étais un peu perdu dans tout le merdier. Ouah, attendez. Oula. Il y en a un qui m'a mis un critique à 19. Violence. Oh putain. Ok, non mais waouh. Eux ils rigolent plus là. Des attaques sournoises à 15. Ouah, eux ça rigole pas par contre là. Là les brutes là elles sont chaudes. Première save. Ok, première strat du jeu. Première save strat du jeu. Bon, je me laisse crever, sauf si je touche. Ouah, 5. Voilà, bon, c'était obligé, je m'y attendais pas du tout là. Charge est partie. Quick save. La quick save qui a un peu de mal, j'ai l'impression. Ouais. Le jeu a un peu de mal depuis le début de la session, je sais pas pourquoi. Commence à se faire vieux peut-être. Donc voilà, l'attaque sur nos A23 qui passe, la save. Avec la musique calme, la tranquillité. Putain, 12 quoi. Mais 12, bordel de merde. Putain, j'ai critiqué à 13. Oui, bien sûr. Save. Ouais, 12. Allez. 10, oui. Voilà, 9. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien, j'y crois à mort. Tout va bien se passer. Voilà. 105 XP. Ça les vaut, mais largement. Bon, l'annonce, ouais, c'est bon, on a compris. Oui, ça, on a compris aussi. J'ai pris, ouais. Putain, oh! Ouh! Allez, repos.
Parce que, waouh, quel combat! Incroyable! On va mettre la map. Ok. Donc, je suis là. Moi, j'ai quasiment fait tout le quartier sud-est. Je vais continuer au nord en longeant les murs. En longeant ce côté, j'en ai vu un. J'en ai vu deux. Un, deux, quatre. Ok, il faut que je trouve la brute en premier. Agresseur, agresseur, brute. Ok. Ils sont 6 contre Malgue. C'est le moment d'avoir le plus gros ramage du monde. Ah putain, là-bas. Là par contre, je vais abuser de la strat. Voilà. Et la dernière brute ici. On save. Le plus gros gangbang du monde. Là par contre, je laisse mon personnage mourir. Voilà. Je le laissais mourir. Hein. Oh, soit modéré. Pour recharger la partie. Et évidemment, les péter. Parce que c'est pété. Leur niquer la gueule. D'une façon, mais. Apocalypse. Ouais, bien sûr. Il n'y a qu'une ici. C'est moi ou je viens. Ah voilà, un mort. Un deuxième mort. Peut-être le temps d'une potion, finalement. Voilà, on save. Un petit 10, non. On revient sur lui, on revient sur lui. On revient sur lui maintenant. C'est bien, c'est bien. Ça gère, mais doucement. Ouah, ouah. Oh, le jeu en peut plus. Il y a trop d'ennemis à la seconde. Allez, normalement, là, ça devrait le faire. Je latte. Je latte. Voilà. Récupère tranquillement les... Putain, j'ai déjà 10 pièces de contrebande. Énorme. Oh bah génial, un trousseau de... Un piège. Je vais peut-être utiliser les petites potions. Non. Annuler. Utiliser. C'est où? Ah voilà, utiliser. Je vais utiliser les potions de soins légers. Encore deux, ça devrait être bon. Voilà, parfait. Voilà. J'espère trouver un bon équipement à acheter avec ces pièces de contrefaçon. Oh, il y a une porte. Je prends le loot là-bas. Et puis on y va. Oui, ma map. Donc, ouais, ce quartier-là, enfin, ce coin-là du quartier est... Et safe maintenant. Mets-toi droit, connasse de caméra. VRO. Ah, putain. Ok. Bon, bah on va là-bas. Pas le choix. Discrétieusement. Comme toujours. Attendez, il y a un coffre. Au moins le coffre et ensuite on va se battre contre 1, 2, 3. Peut-être 4 ou 5 même. Ok. Ça va, c'est quand même un drop raisonnable. Ouais, je pense qu'il y en a au moins 4 qui m'attendent. Brut. Il y a 2 bruts, ok. 3 bruts, ok. Il y en a 2 que je peux déjà avoir au cac, je pense que je peux les avoir au cac. Déjà lui dead. Déjà est brut. Déjà est brut, bon je vais crever. Qu'est-ce qu'on... What the fuck? Voilà. C'était
prévu, ne vous inquiétez pas. Tout est prévu. Bon, par contre, pour recharger, c'est ultra long. Je ne comprends pas.